ton père a été affiché sur les réseaux, quand ton père t'a humilié, tu étais celle-là même. À part mon grand frère Bob, que je salue depuis l'au-delà où il est. Tu étais celle-là, en premier lieu. C'est-à-dire avant que les parents de Bob viennent l'humilier sur l'internet, tu étais la première que ta famille a humilié sur internet ici. Ton père a signé des voices où il a fait des confidentes à une blogueuse. Oui, oui, oui. À une blogueuse. Tu fais humilier terriblement. Tu fais humilier terriblement sur internet par ton père. Et au lieu d'aller appeler tes oncles, au lieu d'aller appeler tes tantes, au lieu d'aller appeler tes grands soeurs, des jeunes de ta famille, comme tu es une reflet dans ta famille, c'est Lolo Beauté que tu as appelé. Tu as fait entrer Lolo Beauté dans ta vie. Est-ce que quand Lolo Beauté a problème dans sa vie, là, est-ce que tu appelles toi? Non. Père, tu n'es personne. Père, tu n'es personne en fait en réalité. Est-ce que tu fais mal? Aujourd'hui, tu as mal parce que tu as vu que Lolo Beauté est rentrée dans ta vie. Et puis, elle est sortie avec des choses de ta vie. Mais toi, tu n'as pas pu rentrer dans la vie de Lolo Beauté pour sortir quelque chose. Qui allait te réconcilier avec ton père, ma chérie? C'est la question qui est là. Oui. Toi, tu as fait quoi, Lolo Beauté? Tu as fait quoi pour Lolo Beauté? Quand tu es sorti, tu me dis que Lolo Beauté a continué avec son frère. Ma chérie, accompagne-moi d'un petit voice quand même. Sérieusement parlant. Sérieusement parlant. Accompagne cela d'un petit voice, ma chérie. Mais il n'y a même pas un petit voice qui accompagne. Tu t'as fait, tu mens parce que tu veux détruire une famille. Tu as rien fait que aujourd'hui là. Même le petit serpent que Dieu t'a fait un minimum de grâce pour que tu puisses avoir. Tu ne t'occupes même pas de ce petit serpent en question. Tu assises matin, midi et soir à 24h sur 24h. Tu es sur internet avec le petit serpent et il rampe sur internet ici avec nous. Pendant que nous on dort là, le petit serpent assis puis il rampe sur le dos. Maintenant c'est vraiment fatigué. On dit, ah mais à quoi? Pourquoi on a combattu? Déjà c'est qui le serpent qui a été de... Comment on appelle ça? Marcher sur le dos, on a eu combattu. À quel moment tu prends ton temps pour t'occuper de cet enfant-là, pour qu'il puisse marcher, pour ne pas être un serpent? Hein? Oh, c'est pas là, la beauté, c'est pas la vérité. La beauté, parce que là où tu l'as emmené à Aubervilliers, là, elle pense que c'est lui qui t'a dit. La beauté, ma grande soeur, c'est pas le gars-là qui l'a incité. Le gars qui l'a donné l'esperme, parce qu'on l'a pas incité. L'enfant qu'elle a, le petit serpent qui l'a refoulé, là, le petit s'est refoulé. Parce que c'est un enfant refoulé de Yaka Yaka de Paris. C'est moi qui vous le dis. Si il dit que maman a fait ça, ah, ça m'en va. C'est l'enfant refoulé de Yaka Yaka de Paris. Ils sont d'abord partis en Belgique pour aller faire insémination. Ça n'a pas marché là-bas. C'est là qu'ils sont revenus à Saint-Denis là-bas pour faire insémination en question. Cet enfant en question, Yaka Yaka de Paris, il ne peut pas le reconnaître devant les gens comme ça. Il ne peut pas. C'est un enfant refoulé de sa vie. Elle a fait cet enfant-là pour qu'elle puisse avoir les papiers. À cause des injures qu'on lui donnait sur Internet, elle allait prendre les spermatozoïdes d'un PD Yaka Yaka. Elle lui aussi n'a pas go. C'est comme ça qu'elle allait prendre les PD, de les spermes d'un PD pour faire le petit serpent qu'il a là. Voilà pourquoi depuis là, il met du temps même à faire quatre pattes, il rampe. Depuis là, 7 mois là, il rampe seulement. Février, mars, avril, mai, juin, août, 7 ans bientôt. 7 mois. Mais l'enfant la rampe. Depuis que vous êtes là, est-ce que les enfants sont en train de cliver comme ça? Est-ce que les enfants, quand ils ont 5 mois là, ils clivent. Les enfants clivent comme ça, ils gâtent tout dans la maison. Mais l'enfant est là. Il a voulu comme ça, puis il est là. C'est une banane. N'enfant cricou, n'enfant serpent, n'enfant sorcier, mais il a allumé la télé. On dit pas ramper, il faut lever. Tu as clivé, tu clivé là. C'est là que tu rampes à terre comme ça. Mais il entend de sucer le sang de tilapia. Vous ne voyez pas que tilapia a maigri? Vous ne voyez pas que tilapia a maigri? Hein? Vous ne voyez pas que tilapia maigri? Il entend le sucer le sang de tilapia. La nuit là, il couche avec tilapia. L'enfant comme ça, c'est l'enfant sorcier. La nuit, il couche avec tilapia. Comment tu peux prendre ce matin d'un PD pour aller faire cette insémination? Ça va être quoi? Tu as eu les papiers, mais tu as eu, il est français. Maintenant, ça va être quoi? Hein? Le vent souffle bien sur moi. Hein? Il a assis la nuit là. La nuit pendant que. Live là,
téléphone là. Il est comme ça. C'est un enfant sorcier. Et puis il a pris dans une des. Tu l'appelles là-bas. Oui, oui. Qui nous le sait pas, il prend son bangala pour l'enfoncer. La nouvelle, pourquoi elle maigrit de jour en jour? Vous n'avez pas qu'elle a maigri depuis. Depuis ce moment, elle a maigri. L'enfant ne clibe pas. Il clibe pas. Moi, je fais un snap. Toujours qu'elle fait un snap là. Ça vous montre le bras, il est couché. Il est couché. Ici en Europe, ici. Pourquoi il est là? Quatre vitesses qu'elle a montré là, c'est pour Kilou. C'est pour Kilou le serpent. Oui. Quatre vitesses d'hier là, c'est pour Kilou le serpent. Voilà ma quatre vitesses ici. Comme je ne monte pas parce que je n'ai pas envie de montrer des choses. Il y a quoi sur quatre vitesses? Voilà ma photo qui est là. Fais comme ça. Prends quatre. Je dis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'important de ce que tu as capturé? Voilà ma photo qui est ici pour moi aussi. Fais comme moi si tu es femme. Elle fait comme cela. C'est vital. J'ai pas montré. Il y a quoi dessus? Et puis tu vas montrer. Il y a quoi dessus? Moi j'ai montré là. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai dit fais comme cela. Bon, c'est tout seul. Hein. Fais comme cela. Montre-nous ta photo. Parce qu'il y a photo dessus. C'est quatre vitales de Kilou. Je la mets au défi. Faut pas elle va attendre. C'est un défi que je lui lance. Pour qu'elle puisse faire ma beuve. Faut pas elle attendre dans 6 mois, mais dans 1 an. Quand ces papiers seront prêts à nous monter, j'ai dit maintenant, c'est jusqu'à fin août, elle ne monte pas là. Et puis elle monte dans 3 mois, 4 mois là, je ne suis plus dedans. Voilà, parce que elle attend que son enfant ait les papiers. Elle a trouvé là, elle en démarche. C'est grâce à l'enfant là qu'elle doit avoir les papiers ici en Europe, ici, c'est comme ça. Quand tu as un enfant français et que le père, donc, comme c'est Yaka de père que le père là, donc il va donner tous les documents pour qu'elle puisse aller faire les papiers à la préfecture. Voilà pourquoi depuis, elle est encore dans la maison où elle a couché. Demain, quand vous avez évoqué, elle a déménagé pendant dans deux chambres salaires là. C'est HLM. Parce qu'elle aura droit à tout ça en fait. Vous comprenez? Pour l'instant là, elle est dans sa maison. C'est quel père? Toi tu dis que l'enfant de ton père, l'enfant de ton père t'aime beaucoup, qu'il est bien. Et puis tu laisses ta maison coincée l'enfant là, comme cela. Non, elle attend les aides. Voilà ça qui est là. Voilà ma carte vitale qui est là. Ma chérie, fais comme cela. Je te mets au défi. Oh oui, tu vois, non? C'est ma carte qui est là. Voilà. C'est quelle information on monte ici? Et puis on dit que non. Comme il y a information. Il y a quoi ils vont capturer ici? Il y a quoi ils vont capturer ici? Même si ils montent ça comme ça, ils m'en foutent. Ils n'ont qu'à capturer. Ils n'ont rien à foutre. Il y a quoi ils vont capturer? Il y a quoi cette carte vitale? On va capturer. Puis on dit que non. Il y a trop de bonnes informations. Hein? Montre-nous ta photo. Sur carte vitale, il y a photo dessus. Fais comme cela. Fais comme cela, comme il fait. Voilà, c'est écrit sur vital en haut. Et puis la photo ici. Fais comme ça, comme moi. Tu n'as pas cœur de faire ça. Parce que c'est pas ta carte. La carte que tu as montrée comme ça hier, là, c'est la carte de ton enfant. Voilà pourquoi tu caches ça. Toi, tes papiers hantent toujours ton téléphone. Voilà une fille, hein. Quand tu lui dis, ah, monte ta carte de séjour. Quand tu lui dis, ah, sors même ta carte de séjour. Comme ça. Elle s'en va dire qu'elle s'en prend le téléphone. Elle s'en prend le téléphone, non? Elle fait comme ça. Voilà mon papier ici. Mais pour son enfant, là, elle n'allait pas porter de son enfant. Elle n'allait pas passer au bord de son enfant. Voilà mon nom. Je peux dire que ah, c'est mon bordeaux qui est là. Quel est Sylvia, moi? Mais je ne peux pas mentir et dire que c'est mon bordeaux. Est-ce qu'attraper un bordeaux là, ça veut dire que c'est ton seul bordeaux? Non? Ça y est, tu peux aller prendre le bordeaux de quelqu'un, mais ça c'est un bordeaux qui m'a pâté parce que c'est le bordeaux qui a me donné mon bordeaux ici en Europe. Ici. Voilà pourquoi il me balade ça. Ça chauffe pas. Ça y est, c'est le bordeaux aussi qui a me donné mon bordeaux ici en Europe. Oui. On dit tiens, prends, c'est pour toi. Fais ça de ce que tu veux. C'est ça qu'on appelle la grâce.
suis béni. C'est ça, ma belle bénédiction. Tu vas prendre le passeport de son enfant. Et puis elle vient te montrer que voilà le passeport. Que toi, là, la beauté. Tu montes des déplacements, des déplacements de tes enfants. Moi, mon enfant, il a un passeport. Il est français. Et puis elle sort la peau du français, ma chérie. Mais si tu es fier de montrer que ton enfant est français, c'est pour nous aussi. Pour toi aussi, on le voit. C'est la passion. Même parce que j'étais là, montrer tes papiers. Hein, sérieusement parlé. Hein. Tu sors pour ton enfant. Et puis pour toi dans le téléphone, il y a maman. On peut montrer le passeport de son enfant comme un petit. Ah, voilà le passeport de mon enfant. Et puis pour toi-même, là, on ne voit même pas petite trace. Tu t'en prends une carte vitale, tu fais comme cela. Quand oui, je n'ai pas montré l'information. Je dis, il te met au défi, voilà ça. Tranquillement, tranquille. Fais deux doigts comme ça, comme moi. Et puis on voit ta photo. C'est ma photo qui est là. Qui peut nier que c'est pas Sylvie qui est là? Voilà ma photo qui est là. Voilà ma photo qui est là. Qui peut nier que c'est pas moi? C'est moi, it is me. It is me. Fais même chose en voix, tu peux pas. Tu as jusqu'au 31 août pour le faire. Si tu n'as pas fait là, ferme ta gueule et ton compte à jamais. Parce qu'on connaît ici les procédures ici en Europe ici. Oui, tu es dans l'attente de tes papiers à cause de ton enfant. Parce que tu seras mère d'enfant française. Et tu as eu cet enfant avec Yaka Yaka de Paris. Le serpent qui te mourut la nuit. S'il y a quelqu'un qui te mourut la nuit là, c'est le serpent ton fils la question. Oui, oui. C'est lui que tu fais inceste. D'accord? C'est elle que tu fais inceste. Et non les autres. Toi, tes papiers sont dans toujours le téléphone. Mais quand je dis papiers, mettre là. Non, enfant, mettre ton chat pour ton enfant. Par exemple, tu as ça. Est-ce qu'on peut me montrer quelque chose qu'on n'a pas? Non. Tu viens de confirmer aujourd'hui que tu n'as pas les baisses. Tu n'as pas les baisses. Par exemple, si tu as vraiment les baisses là, tu l'as montré que tu as dit, ah, voilà mon baisse qui est là. Voilà mon passe. Voilà mon truc qui est là. Tu n'as pas encore les baisses, tu es dans l'attente. Et c'est normal que l'Europe, elle est dans la tête aussi. Oui, oui. C'est la loi qui le dit ici en Europe, ici. C'est pas parce que quand tu vis, quand tu es en Europe, que tu as les papiers. Ça veut dire beaucoup d'illettrés. Ça veut dire que tu as les papiers, là. En même temps, comme tu es en Europe, ici, non, là, côté, il faut mettre tes parents. Elle va voir ses parents par rapport à quoi? Ils n'ont qu'à son papier ici en Europe par rapport à quoi? Ils ont dit que la vie en quoi, ça les dérange. C'est toi, ton père. Il est, d'abord, ton père, c'est un misérable. Quand tu ouvres ta gueule pour dire que tu avais vu ton père en Europe, c'est des mensonges, ma chérie. Ton père, il est français. Tu ne peux pas le faire venir en Europe. Dis plutôt que, ah, j'ai payé le billet d'avion de mon père pour qu'il puisse venir, venir en France, voilà. Sinon, tu ne l'as pas envoyé. Non. Parce que quand un Africain dit, j'ai envoyé quelqu'un en Europe, c'est lui qui a mis tous les moyens, côté visa, côté CVO, tout. Il a tout remis à un billet d'avion, puis il a envoyé quelqu'un. Tu as juste payé le billet d'avion. Bien d'avoir de ton père, et puis il est venu. Comme ton père qui était. Comme ton père, tu dis à ton père, t'es français là. Tu es venu en Europe comment? Dis-nous un peu. Avant de dire aux autres que. Faut envoyer tes parents en Europe. Des parents qui sont ivoiriens. Des parents qui sont pas français. Quand il faut les avoir en Europe. Comme ton père. Comme tu es venu en Europe comment? Dis-moi un peu. En fait, la fille d'un français, et puis Boza, après plus de 40 ans. Hein? Après plus de 40 ans. La maman de l'autre, la mère de l'autre, t'a dit que non, elle l'a fait que ça l'énerve. Elle a dit que l'Afrique ça l'énerve. Pourquoi elle peut venir être en Europe sans papier? Tu es malade, tu es stupide. Tu connais pas les règles d'un pays. Tu connais pas la loi d'un pays. Hein? Comme toi aujourd'hui, tu es venu. Non, il est mal en France. Tu as rien maintenant là. Tu as oublié d'aller prendre. C'est même d'un PD pour être mère et pour voir les papiers. Tu veux que tout le monde fasse ça? La mère de l'autre beauté de Camille Makosso n'a pas dit qu'il veut venir en Europe ici. Ils n'ont rien à foutre de l'Europe. Nos parents, là, ils aiment l'Afrique. Ils aiment leur environnement. Et elle est bien. Ils prennent soin de leur mère. Occupe-toi de ton père qui doit à l'hôpital. Ton père qui est tout seul. Ton père que tu as abandonné. Oui, vous dites toujours que vos parents sont en Europe. Mais ils sont où êtes-vous? Dans la souffrance. Ton père qui pisse sur lui. Tu es incapable d'aller voir le monsieur là comme ça. Non, un monsieur va marcher juste pour te trouver à Colombe. Quand ton père arrive devant moi, chez toi à la maison, j'ai pitié de lui. Mais là, mon coulée. Parce que le monsieur a marché, un homme de plus de 70 ans, les amis, le vieux a marché jusqu'à un gars, il a tous ses pieds blancs, blancs comme cela. Quand il est arrivé là, il s'assit par terre. Il s'assit par terre, parce qu'il était fatigué. Elle ne prend pas soin de son père. Elle ne prend pas soin de lui. Le monsieur pisse sur lui, elle s'en fout de ça. Elle ne s'occupe pas de lui. Même pour aller le voir à l'hôpital, c'est problème. Hein? Mon père en Europe, c'est pour marcher d'un quartier à quatre. Mais quelqu'un qui t'a jamais pour là, il faut qu'il t'a beaucoup pour là, il faut qu'on a pillé. Hein? Il y a eu ces pétés blancs. Quand il arrive, ces pétés blancs. Il arrive à mettre là.
Quand il a dit bonsoir, les enfants, il s'est assis par terre. Il a respiré par terre. Quand il a fini là, après, elle nous a servi, elle nous a servi à l'évent, deux à l'évent, avec donc le coucher. Un salope comme toi. On t'a dit que c'est tout le monde qui vit. On a dit que c'est tout le monde qui a le rêve européen. On t'a dit que c'est tout le monde qui a le rêve européen. Et donc, là, envoie tes parents. Non. Leurs enfants. Les enfants de la mère de Lolo Beauté, eux tous sont ici aujourd'hui. Voilà. La peur en a que la grande de Lolo Beauté. Eugénie, non, Makoso, elle fait les va-et-vient. Par Côte d'Ivoire, France, elle fait va-et-vient. T'as compris? Donc, si la mère de leur beauté voulait venir vraiment en Europe, là, elle allait venir, mais elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. C'est ton seul père, ton père perdu, là, qui a besoin de ça. Il n'a qu'à s'asseoir dans son pays, mais où il est malheureux, où il n'a rien foutu pour vous. T'as compris? C'est lui qui a besoin de ça. On va forcer à être misérable dans son propre pays. Hein? On va forcer à être misérable ici. Non, c'est ça, chienne, là. Vous parlez en français, ça rime à quoi? Toi-même, tu es la pierre, tu es enfant de France. Ton père est français, mais la femme ne te connaît pas. Ton père est français, mais la femme ne te connaît pas. Tu es misérable ici en Europe. Tu as donné de la classe. Tu es dans les quartiers précaires. C'est ça qui est la vérité. Et c'est faux. Tu vis dans le quartier précaire. Saint-Denis, c'est comme à jamais d'Abidjan, c'est à beaucoup d'Abidjan. Dans les quartiers où tu arrives, puis on va bouffer à côté. On va nommer ici. On va Nyamangoudi à côté ici. C'est faux. Tu as Brahma à côté. On est dans, tu viens à Brahma à côté de Bengue. Et puis tu dis que tu manges. Voilà mon salon. Vous voyez les amis. Voilà mon salon qu'elle est. Voilà chez moi. Là, c'est les gens même que tu as payé là, c'est trop cher. Les meubles de Conforama là, c'est ça que les meubles. Tu connais voilà des meubles. Même chez Blanc, tu vois le bois. C'est les vrais bois. Hein. Mais tellement qu'on voit, ah, c'est pas la mode. On dit c'est pas bon. Pourtant, c'est des bois qui coûtent cher. Tu connais la valeur des meubles. Comment c'est saligo là. Et puis tu as dit, regardez. Hein. Elle est assise chez elle. Hein. Elle prend sa caméra pour dire, ah voilà chez moi. Hein. Elle prend photo. Je parie que deux jours, peut-être que où elle est là-bas, elle n'a pas payé une maison, elle nous jetait là-bas. Je suis sûre de ça. Hein. Elle n'est pas comme ça. Oh. Mais c'est hier, elle a vu. De la manière que elle a montré son sang dans la photo là. Je parie qu'elle est... Parce que je ne m'a pas... Oh. Bah, moi, il ne veut pas faire clash à ma caméra. Et puis, il a dit, ah, j'ai monté chez moi. Et puis, il y a une photo de mon salon. Quand elle a des souvenirs. Bah, où elle est coincée hier pour faire live là. Non, elle dit, ah, j'arrive, ma copine, ah, j'arrive. Elle est coincée dans un coin pour parler hier là. Je suis sûre qu'elle n'a pas payé maison. Elle n'est plus pas floue, elles ont même bien en Europe. Elles ont fini à déménager de toute façon. Elle n'est plus pas floue là. Elles ont fini à déménager de toute façon. Il y a un saligo comme toi. Tu n'as pas te couper de ton avenir un peu. Tu n'as pas l'air de te couper de ta vie un peu. Tu n'as pas l'air de te couper de comment tu as fait pour évoluer un peu. Tu n'as pas que nous on évolue pour te laisser, ma chérie. Hein? C'est à cause de tes inventions là que Yaka a peur de ses papas. Il a dit, qui se rappelle de mon live? J'ai dit ici que Yaka, le PD de la toile. Le PD qui refuse d'assumer. Toi, le jour que tu vas assumer, peut-être te respecter. J'ai dit que le jour que il va essayer de la dissocier là, elle va inventer lourdement sur lui. C'est de ça qu'il a peur. Voilà pourquoi il est là et puis il fait comme ça qu'elle. Il est en hypocrisie. Parce que lui, c'est le meilleur hypocrite du monde. Il a secret d'hypocrisie. Mm-hmm. Donc regardez pour le beauté, ce qu'elle a inventé là. Donc imaginez pour Yaka. Donc imaginez pour Yaka de Paris le jour qu'il fait erreur. Elle est inventeuse. Elle invente. Il faut aller chercher les médicaments pour faire marcher ses pas. Mais là, c'est le serpent aussi là. C'est un sorcier. Il faut nous dire, hein, on va le jeter. Parce qu'en Afrique, ça, chez nous, les guerres, là, les enfants sorciers, là, on les donne le masque. C'est le masque qui tue enfant sorcier. Parce que enfant sorcier, là, quand tu le vois, tu vois qu'il est enfant, mais il est grand. Hein? Dans mon village, enfant sorcier, là, c'est le masque qui le tue. Mm-hmm. Donc, il faut envoyer ton petit sorcier, là, le serpent, là. Parce que nous, on les appelle serpents. Généralement, les enfants comme ceux-là, là, ils se transforment beaucoup en serpents. Voilà. Et ils sont là la nuit, ils couchent avec la mère. Ils couchent et puis tu maigris. Ils ne marchent pas. Ils sont assis. Arrivé un moment, ils ont gagné un coup de tête aussi. Il y a ça, c'est un autre modèle aussi. Donc, pour tu vois, mieux te couper de ton enfant sorcier, c'est important avant de parler des gens. Tu comprends un peu? Kim est ta catégorie? Kim est ta camarade? Hein? Ton enfant qui te droite la nuit, il te droite comme cela, il te droite ici, il fait ça. Hein? Tu vois pas ça? Là, tu passes dans maigre de jour en jour. Ton teint est bizarre. Tu maigris de jour en jour. Quand portez plainte, vous portez plainte de quoi? Vous avez beaucoup ça aussi, vous l'avez. Quand portez plainte, vous avez ça de...
Jean de rien qui sont institués dans l'enquête pour tes plaintes. Jean, pour vous, là, c'est comme ça qu'on peut plaindre quoi. Hein? Qui m'a dit quoi? L'homme a voté, elle a une chose dans toi. Et tu mens. Les amis, Emma, hein? Qu'elle vit s'asseoir pour dire que Lola Beauté, son entrepôt est fermé, c'est des mensonges. En fait, en 2020, là-bas, là, Lola Beauté a son entreprise, elle a fermé ça. C'était un auto-entrepreneur. Elle a fermé ça et puis elle a créé en société. C'est comme moi aujourd'hui. Mon entreprise est à Bordeaux. Vous voyez un peu, non? Mon entreprise est à Bordeaux. Là, je dois fermer ça. L'entreprise va être tranquille parce que je ne suis plus là-bas. Je dois fermer ça. Puis si je fais autre chose, puis elle fait autre chose. Donc, demain, si je ferme là, c'est pour dire que non, ils ont radié. Pourtant, ils n'ont pas radié mon truc. C'est parce que j'ai déménagé que je dis, ah, je veux qu'on ferme en fait. Donc, regardez. On va taper Lola Beauté Center. Lola Beauté Center. Une lettre comme ça, comme ton entreprise est fermée. C'est fermé. C'est fermé. Mitova. Sale chienne. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, voilà ça ici. Voilà. On est sur société.com. Hein? Voilà. Voilà la beauté center. Ils ont mis active. Vous voyez, non? C'est active. On va taper 20 rue Albert 95 Gare Lègonnaise. On va taper dessus. Je vais cliquer dessus. Voilà. Vous voyez, non? Louise Makoso. Voilà ça ici. Hein? Vous voyez? C'est elle qui est la présidente de la société. Lola Beauté, c'est sans société. Ce n'est pas un auto-entrepreneur. C'est une société. Et là, vous voyez plus bas ici. Regardez ici. Allez-y, cliquez, vous allez voir là-bas. Regardez ici, c'est marqué. Elle est inscrite. Vous voyez, non? Elle est inscrite au greffe de Pontoise. C'est-à-dire, c'est à la chambre du commerce de Pontoise. C'est là-bas qu'elle est. Vous comprenez? Elle est encore inscrite. Ici, elle est sur l'URSSAF. Elle est toujours inscrite. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Voilà son sirène qui sort. Va grandir. Voilà. Donc, vous voyez, non? Date du 25 août 2023. Parce que c'est aujourd'hui qu'elle est tapée. Entreprise active. Vous voyez? Où est-ce qu'elle est radiée? Entreprise active depuis le 6 octobre 2020. Voilà ce qu'elle a. Voilà. Voilà ce qu'elle a. Tout est là. Voilà son sirène. Tout est actif. Lola Beauté n'a jamais fermé son entreprise. Mais comme elle ne connaît rien dans cette entreprise, elle ne sait rien. Elle s'en prend l'ancienne, ça y est, l'entreprise où Lola Beauté était un auto-entrepreneur. Elle s'en prend ça pour venir mitonner. Ça y est, Jean, elle ferme les yeux sur ça là, non? Et puis elle s'en prend ancien qui est fermé là pour venir mitonner, pour dire non, son entreprise est fermée. Pour toi-même, est où? Je dis ici en Europe, ici là, pour déclarer une entreprise là, c'est cas de ce jour, plus 70 euros. À la chambre du commerce, c'est pas cher. Sans papier, peut pas avoir sirène ici. Ton sirène est où? Oh oui, je suis PDG de Nile. De quoi? Ton sirène, il est où? Depuis que j'envoie le mot PDG là, tout le monde prend. Mon PDG vient de ma reine est fleur de lune. J'ai ça depuis Maroc. Et je dis, c'est la PDG de mes entreprises. Depuis que j'ai commencé à dire, ah, la PDG de tout le temps, j'ai commencé à envoyer là. Vous tous, elle est la PDG. Elle est la PDG. Je vais déposer ça devant mon compte. Pas, je suis businesswoman. Et vous aimez bien ça. Vous dites, vous êtes influenceur, vous voulez fuir le monde influenceur. Vous êtes des influenceurs, mais restez là-bas. Vous êtes des influenceurs. Personne ne lutte influenceur avec vous. Voilà, moi je ne suis pas complet pour les influenceurs. Moi je suis une businesswoman. Les influenceurs sont des poclés. Donc vous êtes des influenceurs, restez là-bas entre vous. Moi, je suis pas influenceuse. Hein? Voilà. D'accord? C'est les juges qui doivent m'appeler influenceuse. Voilà. Donc tu es une mytho. C'est tout ce travail que tu fais, c'est, les gens ont compris que ça montre aux gens. Ah, mais quand la fille elle est en train de dire, c'est comme ça, elle invente sur les gens. Et tu seras plus crédible en fait. Voilà. Tu n'as même pas fait de mal à Lola Beauté. Parce que quand tu mens et puis tu inventes là, y a pas de mal, mais toi on dit que ton enfant ça peut y a qu'à des paris. Soit vous avez fait mal, l'enfant là il est assis, il fait pas quatre pattes et c'est faux. Fais snap, on le voit. Fais snap, il a fait comme ça, on voit maman, il n'y a pas ça. Il est assis la nuit et puis là,
Ça y est, il tape même pas un peu berceau là. Il tape pas berceau, vous dites, pas. On n'entend pas bruit de berceau, il est couché seulement. C'est pas nous. Vous voyez les enfants qui sont bandits là. Un enfant qui a 4 mois, 5 mois là, il commence à toucher tout, surtout le garçon. Il commence à toucher tout, 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 tout. Mais pour aller coucher, ça y est, quand il fait live là, il peut même taper berceau. Est-ce qu'il a berceau même dans le modèle? Est-ce qu'il a berceau même? Il a berceau, il a son lit. Le lit, lit pour les bébés là, est-ce qu'il a ça? Bah, si là, ça, il doit taper un peu. Hein. Ça y est, la nuit, il a tipi, il se lève et puis bah, il peut s'arrêter. Parce que quand il a tipi, à ce moment, il peut s'arrêter. Puis, il va taper comme ça. Eh, on entend un bruit, mais rien. Il a couché son grand. Il a pris son cœur et puis il pleure seulement. La nuit, il était mou, propre. Pour être un enfant sorcier, serpent, chienne que tu sois. Tu peux faire le crochet avec moi, la fille de Nancy. Sors. Et puis, elle vente sur moi. Je n'ai rien à foutre de ça, ma chérie. Rien à foutre de ça. Quand elle sort, elle t'allume avec des nouvelles choses. Mais toi, quand tu sors sur moi, là, toujours, tu es tout des, autant de idiots, des inventions que tu avais depuis. Tu veux te convaincre toi-même. Mais viens à l'aise. D'accord? La dame a menti ici pour vous dire que, ah, le bois de bois n'a pas de voiture, que le bois de bois roule ma voiture. Il n'y a rien dit. Hein. Quand il est parti à Lyon, à, la dernière fois qu'il est parti à Bordeaux, là, il fait escale à Lyon. Et puis, le bois de bois vient me chercher. Il m'a accompagné à la gare. Il a mis ça open, tranquille. Ça a fermé sa gueule. Elle invente. Elle sait rien de la vie des gens. Elle est assise et puis elle invente. Sa minade vie qu'elle a là. Elle chante et elle invente. Moi, la moi, quand elle parle, elle ne parle pas beaucoup. Quand ça me prend, elle m'a même pas pour déposer. Elle est Kimou, n'est pas chez ta grand-mère. La dernière fois, Kimou, leur voix, voix de troquer Lugo. Tout le monde a entendu. Tout le monde. Elle est qu'elle est assise et puis. Ouais, c'est Jésus. La fille, c'est une grosse jalouse. Une illettrée. Ici en Europe, ici là. Son ce travail qu'elle peut faire, c'est travail de ménage à vie. Mm-hmm. Et comme elle peut pas faire travail de ménage, ça y est, faire même travail de ménage, ça la dépasse là. Elle a sur internet, elle gueule seulement sur la vie des gens qui la dépassent. Nous tous, on te dépasse. Moi, toi, tu peux pas être ma camarade, sérieusement. Tu n'es même pas ma camarade grise dans le coco. Elle est venue en Europe au départ là. Hein. Je vais vous expliquer. Quand elle est venue en Europe au départ là, elle allait faire travailler au noir chez Demba, dans le bois de nuit de Demba. Elle grillait le coco là-bas. Elle se lève un jour, elle fait live pour monter ses camarades. Ouais, les amis, bon là, je suis dans mon restaurant. Je suis dans mon restaurant. J'ai mon restaurant ici. Et depuis quand ça va même faire un restaurant en Europe. C'est là qu'elle a cassé son papa là, dans les commentaires. Voilà où elle me déteste aujourd'hui. Voilà où sa haine est partie du compte moyen. Mais depuis quand ça va faire à pour prendre un magasin pour créer un restaurant. Que la fille, elle est dans le noir. Elle travaille au noir dans le bois de nuit du gars là. Voilà où elle me déteste jusqu'aujourd'hui. C'est la vraie qu'elle est là. Voilà pourquoi elle me déteste depuis. Elle m'a en caméra zouzou depuis 2020. Une chienne comme toi. Une saligomana comme toi. Une ratée, ma ratée, ratée de sa vie. Ma femme de rebeux. Femme des arabes. Femme qu'on presse malade de PD pour faire enfant. T'as parlé avec qui? Prêteuse. Tes amis, on les baisse bien. Tes quatre vies, on les baisse bien. Toi, t'es putain mendier, c'est PD, c'est un père. C'est comme tu les PD pour faire enfant. Sale chienne que tu sois. Oui, c'est la fin que la parole est déjà finie. Sale chienne que tu sois. Un idiot que tu sois. Un bécassile que tu sois. Quand tu nous rêves, on mendie, c'est un PD. Quand tu nous rêves, on mendie, c'est un PD. Tes amis se font baiser normalement, violemment, frappement. Elles prennent un plaisir. Toi, tu vas mendier, c'est comme un PD. Quand c'est même le là où l'est. Hein? Le là où l'est, on ne connaît pas. Et tu t'assois pour gueuler, pour dire, tu n'es pas une femme, tu as résidu de femme à gérer. Oui. Quand on parle des mères là, tu n'es pas mère. Voilà pourquoi cet enfant, c'est pas, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Où tu as assise là, tu attends tes kaolo. Ah, c'est ma carrière, mais mes kaolo, c'est tout ce qui est là. C'est-à-dire que tu l'as fait à cause des kaolo. Oui, oui, oui. Tu as fait ce c'est pas à cause des kaolo, c'est tout. Tu ne l'as pas fait par amour. Qui est son père? Il n'y a pas de papa. Tu attends l'état. Tu as à cause des gens comme toi. Il dit que moi c'est fini. J'ai venu travailler en Suisse parce que là-bas au moins mon argent, j'ai gagné. C'est-à-dire j'ai vu à la suite de mon frère normalement. On parle d'un pays, la France, où tu as travaillé normalement comme des imbéciles comme vous. Vous êtes malade. Au moins on peut donner l'argent, on peut vous donner les aides. On va voter ça. Oui, oui, oui. On va voter ça. Parce que les chiennes comme vous, qui ne foutent rien en France, vous prenez la mer, vous prenez l'eau pour venir. Vous mentez pour dire des laits. Vous mentez pour dire des femmes qui voulaient accoucher. Juste qu'on puisse vous aider. C'est nous qui travaillons pour la France là, qui apportons des revenus à la France là. Nous-mêmes, on n'a pas droit aux aides ici. On coupe sur notre salaire en question pour vous donner à des imbéciles comme vous. On va voter cette loi en question. Ou ceux qui auront droit des aides en France là, ce sera les handicapés. Parce que, ok, quand tu vas avoir des droits à des aides, c'est que tu es handicapé, c'est que tu es capable de faire quelque chose. Mais je te chienne comme vous.
Elles sont esclaves, elles pondent des enfants matin, midi, soir, puis on n'a pas la cave, on n'a pas les payer. Des saligots, Dieu merci, mais je quitte dans votre bêtise là en question. Oui, oui, oui. Parce que même pas travailler. Et puis des idiots comme vous, vous, dangereuses. Des minables comme vous, comme cela. Hein? Des imbécassés comme vous, comme cela. Hein? Tu es assise là. Ça y est, c'est grâce à moi que tu as ouvert ton étoile pour papier. Oui, oui. C'est quand tu es bas mon goût propre là. Que ton cerveau s'est même dit, ah, je vais chercher mes papiers. C'est là que tu allais mendier sur un PD pour créer le petit serpent là pour parler. Je suis ta dangoro, ma chérie. Sors, parle. Oh bien, oh non, 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 non. Oh non. Ça, c'est votre dimension, ça. Je ne suis pas ta camarade. Parce que quand il dit, ah, sors, fille de paix, tu peux pas. Quand il sort, fille de paix, tu peux pas sortir, fille de paix, ma chérie. Quand il sort, ça, tu peux pas sortir ça. Oui, oui, oui. Quand il sort, ton permis.